Je vais tester ça. Vraiment, ça me semble bien. Ou alors, faudrait mettre 2 points là-dedans, parce que c'est vraiment fort. Le Dream Breath amélioré, tu gagnes 30% sur les soins du Dream Breath, c'est trop fort. J'ai envie de tester ça, hein. J'ai envie de voir ce que ça donne. Et je sais pas si on peut le voir dans mon... sur la bêta, peut-être. Je pense pas que ça sera la meilleure classe du tout, l'évoqueur, que ça sera pas indispensable. Tu as une classe indispensable en raid, ATM, je pense qu'un Pal est indispensable en raid. ATM. Pal, c'est vraiment fort, tu vois, en raid. Je vais laisser des persos. Souffle. Quoi, je vais mettre un Zephyr tout de suite. Verdant Embrace. Big souffle. Et là, on tape. J'ai mis l'overall, putain, là-haut. Écho. Écho, écho, réversion, pile avant les dégâts, parfait. Kick, réversion, perdant embrace, souffle, un tic. On tape. On tape. Alors j'ai mis un Zephyr hein, sur les stomps du premier mob. Vous avez peut-être pas vu et je l'ai peut-être pas dit. Proc essence. Je réversion mon tank. J'ai un big souffle. Perdant embrace. Ah c'est bugué là. Je vous vois tous les deux avec le même truc. On bouge, désintégrate là-dessus. Proc. On va mettre des hautes sur tout le monde. Tac. Je mets un CD perso pour qu'il puisse pull. Perdant embrace. Big souffle. Big souffle. Proc instant living flame. Deuxième big souffle. Faut que je remette mes nameplates bien comme il faut. Écho. 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 Réversion sur tout le monde. Je mets un petit soin mono sur mon tank. Je remets un écho sur mon tank. Perdant embrace. Big souffle. Souffle, on bouge de là. Non mais attends, on avait la même couleur, c'est pas normal. On s'est paqué même à un moment, je sais pas pourquoi, mais... Je sais pas pourquoi ça fait ça, là. Je vais tenir mon tank. Faudrait vite finir, lui. Je le voyais avec les mêmes couleurs, là, pour le coup. Et des fois, il y a des bugs. Il y a encore des bugs, des fois. Allez, on tape. Désintégrate, souffle. Il met une charge, faut faire attention à cette charge. Désintégrate. Je tape. Je tape. Écho, on va lui mettre un réversion sur les dégâts. Living Flame en mono. Proc instant Living Flame. Proc d'essence. Désintégrate. Je cours en faisant des petits coups de griffe. Pour des stacks. Hop, écho. Boum. Verdant embrace. Je mets un souffle. Un tic. Et on tape. On bouge. Désintégrate. Ok, je remets un écho sur mon tank, on va pull le boss. Je remets un buff sur mon groupe. Et on appuie. Je mets un souffle. Premier souffle. Je garde mon Death Breath sur le pop des ZAD.
Echo. Echo. Viens dans ton brace. Oh, je l'ai pris, putain. Je me suis dit, c'est bon, ça va me faire passer par-dessus. J'aurais dû le savoir. On va faire instant de souffle. J'aurais dû le savoir, les gars. My bad. On va mettre un souffle. Viens dans ton brace. Wheel. Avec le communion. Trop fort ce CD. Allez, bigote sur tout le monde. Faut vraiment que je fasse gaffe à ça. Big souffle. Écho. J'ai encore un dernier type d'écho. On va faire ça. Big salve. Dispel mon tank. Souffle. J'ai mis un trinket. Je mets un verre dans ton braille sur moi. J'ai un big souffle qui arrive. Allez, ça tient. On a de la chance. J'ai plus mon trinket. Je vais mettre un Zephyr là. Je vais dans ton brace. Spirit Bloom. Bon, malgré que j'ai fait de la merde, j'ai quand même réussi à recover et à bien taper. C'est mon Verdant Embrace dans le pic qui a fait que je suis mort. En fait, je me suis dit, c'est bon, ça va dashin par dessus. Alors que je le sais en plus, ça dashin pas par dessus. Et du coup, bah, j'ai pris le pic de glace et je suis mort. Mais je suis quand même bien en soins, vous voyez. Quand même bien en dégâts aussi. Bon, là, on va arriver sur les packs difficiles. Donc, il va falloir que je fasse gaffe. On le sait, le Drake de gauche, il est très difficile. Faut qu'il m'attende, chat. Faut pas pré-pull, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est bon. Histoire que tout le monde soit là. On dispelle le premier. J'ai bien cédé perso. Je remets un souffle. Là, il y avait un double dispel à faire. Quand tu fais un dispel, ça fait des dégâts sur tout le groupe. Tous les gens qui sont proches de la personne qui a été dispel. Donc c'est pour ça que je veux bien anticiper sur ma stase. Sur mon souffle. Vous voyez là. Là, maintenant, je vais mettre un Verdant Embrace. Un instant breath. Je mets un emerald. Ça remonte tout le monde. Parfait. Perfecto. Ouais, emerald communion, on commence à heal. Hein. L'emerald communion, c'est ce talent là qui est ici. C'est très fort à gauche. Les dégâts sur mon monk. Je vais lui mettre un bon hot. Je vais mettre un Verdant Embrace là, into un souffle. Juste avant les dégâts, on met un deuxième souffle. On met un Spirit Bloom. Je mets un CD perso. Tac. Je vais m'envoler. Je mettrai un Désintegrate à la sortie. J'ai un souffle dans 8. J'aurais peut-être pas dû avancer. On mettra un kick. Je mets un kick. J'ai un souffle into Verdant Embrace. Oh non, j'ai pull encore. Je vais aller sur mon tank. Je mets un double écho into souffle. Un seul tick. Ça remonte tout le monde. J'ai mon trinket qui est activé. Ouais, c'est bon. Je vais dispel.
Je vais aller des stacks, il restait 3 secondes. Ok. On a un souffle à mettre. Un tic. Sur moi. Je mets un petit CD perso. Je mettrai un Verdant Embrace. Sur moi-même. Into Big Souffle. Into Spirit Bloom. Et ça tient. J'aurai un trinket sur le prochain dégât. Je remets des échos, j'ai un CD perso pour moi. Ah, il est mort de là-haut. Là-haut au sol qu'il a pris. Alors on dispel. Dommage qu'il soit mort sur là-haut. On descend, je mets mon réversion. Ouais, il est mort donc faut que je réactive mon trinket. On va avoir un proc de. Je mets mon trinket sur le druide. Et on y va. Prends pas ce souffle. Verdant Embrace. Deep Brace. Je me déstack maintenant. Je mets un souffle. Comme ça tout le monde. Ah, un petit hot. J'ai un proc d'essence. Je mets un écho sur mon tank avec un réversion. Et on appuie fort là. J'ai pas mis de souffle, c'est pas grave. On sort de ce souffle. Proc d'essence. Essence. Donc écho. Verdant Embrace. Big souffling. Big salving. Voilà. Allez, on met un big souffle là. Je le charge à fond. Attention mon druide. Je vais mettre un zéphyr là-dessus. Verdant Embrace. J'ai un souffle bientôt. Le zéphyr il a marché sur l'explo. Souffle. Je mets un CD. Emerald Communion. Là-dessus. Ça tient tout le monde en vie. Pendant que je pète. On déstack. Attention mon tank, je le CD. Living Flame. Je remets un écho, je mets un CD perso. Je peux pas dash in. Je vais dash in à la sortie. Je dash in. Ça nous heal moi et mon mate. Je mets un souffle. Je mets une Spirit Bloom. À fond. Histoire de toper tout le monde. C'est encore sur moi. Je mets un souffle et je m'écarte. Je mets un CD perso. Verdant Embrace. Je mets un Living Flame en mono. Et je tire mon groupe. Je remets un écho. Hop, j'ai un Living Flame en mono. Je le tiens en vie. Je remets un écho. Je vais dash in sur mon monk. Je mets un souffle. Nickel. Souffle. Spirit Bloom. Sur mon rogue. Ça va ricocher partout. Voilà. Wally Walou. Et on avance. J'ai un Deep Breath. Ok, on arrive sur le boss. Faut toujours être au cac sur ce boss. J'ai un Deep Breath. Il y a l'ad qui pop. Je vais essayer de direct mettre mon Deep Breath sur le pop de l'ad. Écho. Réversion sur tout le monde. Verdant Embrace. Big Souffling.
Living Flame instant, on tape. Je continue de taper tout en mouvement, je mets des coups de griffe. Je vais attendre mon prochain souffle, je vais attendre le pop de l'ad. Écho. Écho, je peux encore mettre un écho. Réversion sur quasiment tout le monde. X souffle. Mettre une stase. Verre d'obtembré sur mon rogue. Big souffling. On bouge. J'ai ma stase dans les mains. On esquive la boule. On retourne au cac. J'ai ma stase encore 15 secondes. On va pouvoir là, bientôt la lâcher. Ça nous fera deux souffles d'affilée. On aura double hot. Aucun problème. Hop, le souffle. La stage la libère maintenant. Voilà. Je remets un Verdant Embrace. Et je peux remettre un souffle par-dessus. Voilà. Il n'y a aucun problème. On tue, on prend pas la météore. Je remets mon écho. Écho encore. Voilà. On a des stacks. Là, on va arriver sur des packs difficiles encore une fois. Il faut faire gaffe au Tempest Channeler. Écho, je prépare mes échos à fond. Je mets un. J'ai mis un Verdant Embrace. Je vais le kick là-dessus. J'ai un triple proc. C'est bon, c'est passé. 50k HPS. Yalla. J'ai un Emerald Communion sur le prochain. Bon, j'ai même. J'ai tout. En fait, j'ai tout. Un tic. On va préparer les hôtes, hein. Vous-même, vous savez, hein. On met les hôtes sur tout le monde. Proc Living Fly Instant. Vous voyez là, c'est buggé. J'ai la même couleur que lui. J'espère qu'on va pas se faire stun, hein. Complètement buggé. Des fois ça bug pas. On va repréparer l'écho sur tout le monde. Ok, on fait attention là. Je mets un big souffle. J'ai dû lâcher. Je mets un instant. Oh, j'ai pas pu. J'ai appuyé sur mon instant, c'est pas parti. Oh, je suis deg. Oh, je suis dégoûté, je vous jure. Normalement, je tiendrai le prochain burst. Oh, j'ai kick aussi. Faut le tuer. Faut le tuer, les amis. J'ai me relink avec mon druide. Après la bêta, des fois il y a des problèmes de temps de réaction aussi. J'appuie sur mes touches, mais ça part pas. Bon, là ça va faire mal aussi.
Je vais pas mon trinket, 10 secondes pour le prochain peut-être. Heureusement que j'ai Zephyr hein, du coup. Heureusement que j'avais Zephyr. Hein. Il y a des problèmes de lag un peu sur la bêta aussi. Hein. Allez, c'est parti. Souffle, on s'écarte. Oh, c'est quoi ça? Faut pas être paqué à lui surtout. On stop cast. Je dispel. Vers moi. Oh, c'est horrible. Voilà l'évoqueur. Là, c'est le boss où c'est problématique pour l'évoqueur. C'est le boss avec tous les problèmes de range qui est vraiment horrible, horriblissime. Là, le problème, c'est que si je dash, ah, c'est horrible, c'est horrible. C'est le boss, le seul boss que je vois qui va être problématique, tu vois. Juste la range de l'évoqueur est un vrai frein sur ce boss. Horrible. Je mets un Zephyr. Ça peut tenir. Oh non. Pas de chance. Bon, je stop cast. Instant heal. Ça passe, hein. On a réussi à tenir, hein. Stop cast.